Bonjour, chers membres du personnel. À la veille de la semaine de relâche, je tiens à m'adresser à vous, personnel de soutien, personnel professionnel, personnel enseignant, tous les cadres de gestion. Je tiens à m'adresser à vous pour souligner que ça fait près de 12 mois qu'en ce moment, on vit ensemble une crise sanitaire importante. 12 mois où on travaille très fort à réinventer l'école. Dans chaque équipe école, on a réfléchi à mettre les meilleures pratiques en place pour la réussite de nos élèves. Réussite qu'on a pu constater dans la dernière étape. Je tiens aussi à remercier tout le personnel qui va être au front pour les services de garde d'urgence. Services de garde d'urgence qu'on doit organiser pour vraiment être capable de maintenir les services essentiels en santé. Pour qu'au Québec, on puisse passer à travers cette crise sanitaire. Donc, merci beaucoup aux gens qui seront présents. Je souhaite aussi remercier de tout cœur toutes les personnes qui assurent en ce moment le nettoyage, la désinfection de nos édifices, de nos milieux, toutes les personnes qui veillent à l'application des mesures sanitaires. Votre travail est essentiel pour que chacun de nous puisse faire le sien. Ce qu'on fait de mieux, c'est faire l'école. Et il faut continuer à le faire. Il faut continuer à le faire en inventant, en s'adaptant à l'ensemble des besoins de nos élèves. Donc, il y aura d'autres choses qui devront être mises en place. Et je sais que ça va être mis au bénéfice là, de tous les besoins là, qui doivent être répondus. Bonne semaine de relâche.